C'est la sixième édition, ça y est, c'est la fin de la sixième édition, ça s'est super bien passé. On a eu un super beau temps, 1000 enfants sur les prés de l'île d'Esch, c'était super. Une très bonne ambiance avec la bandasse, avec plein de convivialité. Et puis là, maintenant, il reste à profiter, à boire l'apéro et tous les bénévoles. On avait 100 bénévoles aujourd'hui qui m'ont donné un coup de main dans cette grande aventure. Et puis, on va boire un coup et voilà, on va faire un petit casse-croûte. Ça fait 2 mois que je travaille non-stop sur ce challenge pour le préparer, pour trouver mes bénévoles, pour trouver mes chefs de terrain, pour la réservation du matériel avec Pont-à-Mousson qui commande le centre des sports, qui nous donne toujours ce qu'on veut. Et on est très bien servi par la ville de Pont-à-Mousson qui nous accompagne, parce que c'est super important d'être accompagné par une ville qui nous donne le matériel. Mais c'est beaucoup de travail et là, Alors, on va décompresser parce que c'est une organisation, c'est une grosse machine. C'est une machine de guerre. Écoutez, depuis 2009, j'ai confié au RC Pont-à-Mousson le challenge lorrain des écoles de rugby. Et je crois que pour la sixième édition, c'est vraiment encore une fois une réussite. Le temps, un beau temps. Le nombre, plus de 1000 licenciés sur les terrains cet après-midi, enfin cette journée. Et également... toute la présence de tous les clubs de Lorraine représentés ce jour. Donc je crois que ça, c'est un très bel élément. Il y a combien de clubs en Lorraine ? Écoutez, aujourd'hui on a 26 clubs, mais aujourd'hui étaient représentés 23 clubs, compte tenu que 2 ou 3 autres clubs n'ont pas d'école de rugby, donc ne peuvent pas être présents. Et je crois que c'est une très très belle réussite et ça encourage pour le 7e challenge en 2015. On voit que la Lorraine est un peu une terre de rugby, mais malgré qu'on ne soit pas dans les racines même du sport là. Bah écoutez, de tout temps, la Lorraine a donné quelques beaux joueurs, y compris à l'équipe de France. Je parlerai de Morgan Parra, de Jean-Marcelin Butin et d'autres garçons qui jouent dans le top 14 comme Petre, Acosta et quelques autres. Et je crois qu'effectivement, en Lorraine, on est capable de sortir de beaux joueurs. Bien entendu, c'est que la crème, la chose, mais si on avait un club de haut niveau, je pense qu'il serait capable d'être nourri par la qualité des joueurs que les clubs sont capables de faire en termes de formation.